DJ Stéphane Congo, Balamwange Congo ya Lumumba Congo, Tafachi Beton Tangwe Koki Oyo Yo Tangwa Ngoya Ngoyo Ye Koki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oye Ye Bien, merci. Nous sommes en direct au Bandeko Boza au Talabiso Bélé, Babengi Bissotro. Mais vous allez nous excuser pour ces petits retards parce que nous étions en communication sur terrain pour récolter certaines informations parce que le pays est en danger. Mokana Biso Eza en danger. Nous comprenons maintenant ici, l'opposition n'est pas seule. Le Rwanda n'est pas seul, la communauté internationale n'est pas seule, Tshisekedi, la population congolaise, est en face de plusieurs ennemis. Alors, on nous signale aujourd'hui au niveau de la commune de Kitambongaliema, centre Nganda, là où se trouve la résidence de Ambongo, c'est entouré de militaires. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Au niveau des centres Nganda, Kitambongaliema, nous connaissons qu'il y a un hôpital de ce côté-là. Il y a aussi un siège des prêtres catholiques et Zalagawana. Mais on remarque ce matin un petit suspect là-bas. Le militaire sont là. Mais nous disons les Kinois, il faut pas à la laisse, pas à la Kimia. Le pays est en danger, mais tous les services de sécurité sont en place pour essayer de calmer aussi, de sécuriser la population congolaise. Et Kabila, présentement, vient d'atterrir au niveau de la Zambie, Makamusuko et Bébi. Voilà maintenant une vérité qui vient de fuiter. C'est une vérité. Moïse Katumbi avait mis de l'argent pour la réhabilitation, la modernisation d'un aérodrome au niveau de Moulonde. Là, nous sommes au niveau du territoire de Pweto dans le Haut-Katanga. Et ce territoire et cet aérodrome de Moulonde est non loin de la Zambie, non loin de la ville Oyo, Kabila a aussi quoi atterrir le dimanche passé. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 et hier, c'était le dimanche 24, Kabila a commis Zambie. Et Kabila cherche maintenant à entrer pour arriver jusqu'au niveau de Kashamanta. Mais la route est déjà barricadée. Il y a plusieurs services de sécurité mobilisés. En heure de Miap, l'armée nationale basa sur place. Si Kabila ose de pénétrer ou encore de fouler ses pieds au niveau de Kashamanta, ça sera une catastrophe. Alors, Bandeko, suivez-nous. Nous avons des choses que nous allons dire dans cette émission. Nous avons des choses que nous allons dire dans cette émission. Alors, nous, on s'est dit, nous sommes encore jeunes. Moi, je suis encore et je suis encore jeune parce que bozaba mama na ba papa bo botibiso bo ebingai, bozaba yaya o na koli na se ma kolona bino bo ebibiso, nous sommes encore jeunes. Mais ensemble avec plusieurs Congolais, nous essayons de mettre notre vie en jeu pour l'épanouissement et pour aussi que ces pays soient délivrés. C'est très important de rappeler ces choses. Parce que des révélations que nous allons faire aujourd'hui, batu amité mamabe barulukabiso basalabiso mabe. Mais libonde li a Congolais, mokonde go sala keto sala toujours, na sena makila na yesu masia. C'est très important de parler de ces choses. Alors, les Congolais, écoutez ceci. Le président Tshisekedi, nous connaissons que c'est un président de la République. Mokonzi Mboka aza les garants de bon fonctionnement des institutions. Et Mokonzi Mboka ayokaka litoyi moko te. Et Mokonzi Mboka aliaka pe ebwele ou bien tabaya litoyi moko te. Mokonzi Mboka aza mutoyo ayokaka sa et là. Parce que c'est la première personne la plus informée de tous les Congolais et de toute la République. Bouza omona. Alors, il y avait une polémique sur Kilaki. Na ba réseaux sociaux même en Europe à Kinshasa au Congo bazako lobela le feuilleton pasteur Roland Dalo et le président de la République. Le Congolais aujourd'hui ba comme champion de transformer l'information dans le mauvais sens. Bisoto lo babosolo. Laissez les affaires de l'église aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu. La politique aux politiciens et aux Congolais patriotes. Musala nzambe kamba ba bandimité la kisabiso nzela ya nzambe et le politique pe ba kamba mboka po Congo sepela.
na kota makasi te parce que le président de la République bisono solobi to moni ndenge akendaki ko se ko rendre gloire à son Dieu hier, c'était au niveau de la Gombe au centre spirituel Philadelphie place Mokonzambo akenda ko bondela na ki mamba dim mamba offrande mamba belé belé. Je n'entrerai pas dans cette polémique parce que c'est non important. Parlons d'abord de Kabila et parlons aussi de Ambongo parce que c'est très important. Alors, le président de la République sous la volonté populaire, Mokonza Mboka a lobby juste ezala ki la pensée congolaise. Et le président a débité ses discours d'abord au niveau de la au niveau de Kisangani. Et après Kisangani, le président de la République a encore amplifié la pensée congolaise au niveau de Lubumbashi. Suivez-nous bien, Omona Sikoyo, le chaos ya makambo sike kobimela. Bande kona lobi le don na koloba malamu. S'il vous plaît, na koloba malamu, s'il vous plaît. Le président de la République aujourd'hui, a Elibiso Reset, il y a changement à la constitution. Il nous faut une nouvelle constitution. Une constitution adaptée aux réalités actuelles et aux réalités des Congolais. Mais l'opposition et l'étranger balingi la pensée y a population congolaise. Alors, méfiez-vous de Katumbi, méfiez-vous de Kabila, méfiez-vous aussi de qui? De Fayulu. Ce sont les mêmes personnes. Ils forment parce que ce sont des hommes. Elles forment parce que ce sont deux personnes, un même corps. Il y a un plan d'Ikao. Bisso a été dénoncé qui m'a kamoubaoké ça à Genève. Et, ba journaliste et belé là, ba communicateur et belé à opposition, ba ini jési en collé. Na koyi kousou ko vanda na terrasse, tena lukana melatama ya piyo. Ba lobi obome li biso voyage na biso de ngayeto kende Genève, parce que tu avais dénoncé le plan de l'opposition, babongi sa ki ba sangana na Genève. Donc voyage à Genève, les assises de Genève, et Koufi, Kabila était en Belgique la semaine passée, il était annoncé au niveau des États-Unis, mais ça un peu bardé, et Kabila vient d'atterrir au niveau de la Zambie. Balobi makambo à Genève et Rosala Malisusute. Mettons maintenant en place une stratégie et qui sera soutenue par l'Église catholique pour prendre maintenant, affaiblir Tshisekedi durant ces mois de décembre, dans une semaine. Kabila est Zambie. Kabila est au niveau de la Zambie, mais il n'est pas à Lusaka. Parce que Lusaka, c'est la capitale zambienne. Kabila est au niveau d'une ville qui est non loin du Haut-Katanga, non loin aussi de Kashamanta et tout consort. Vous allez avoir des précisions, des révélations dans cette émission. Kabila juge bon maintenant de brûler la forêt, de mettre les feux au Congo. Il va essayer d'entrer. Et juste à l'atterrissage de Kabila, il y a une vidéo, nous voyons des civilités présentées à Kabila par un certain ancien général de la République démocratique du Congo. Je vis encore sa figure, John Numbi. John Numbi était au pied de l'avion pour accueillir Kabila au niveau de la Zambie. Le dessus des cartes dans cette émission. Alors, avant de pénétrer Yaokota na Makambu, ya Ambongo, de vous donner la situation au niveau à Centre Nganda, au niveau du site Jamaïque, ici à Kinshasa, là où officiellement les résidences au pluriel, il y a un prêtre catholique et Zalara. Ambongo pas vendre la Jamaïque. Na kota centre nganda ba vanda rabangoni sokuna, je ne sais pas, il peut louer une maison ou encore il peut être dans une résidence autre, mais officiellement on connaît que les prêtres catholiques, les hauts élevés de l'Église catholique bazala kana centre nganda côté Jamaïque. Na zolo bela makambo ambongo sikose ke ambongo a dit na pesa pe situation. Alors très rapidement je vais lire ceci. Nous sommes là. Dans son homélie face aux jeunes catholiques ce dimanche à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo lance « Comment peut-on dégager beaucoup d'énergie et de l'argent à parler du changement de la constitution en lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée ?» Ambongo a lobby Tshisekedi a abandonné la jeunesse congolaise. Alors, est-ce que c'est le changement de la constitution qui va nous donner du travail à la fin de nos études?
qui va nous permettre de quitter Massina et d'arriver à Gombe sans embouteillage à Kinshasa? Ce sont des questions Oyo Ambongo Azaro Lobela, les jeunes congolais Obayaki hier à la messe au niveau de la paroisse RDC. Ambongo aux jeunes de Kinshasa, ne vous laissez pas tromper. Ne cédez pas aux fausses promesses de l'actuel régime ni aux marchands des illusions. N'oubliez pas que tout pouvoir terrestre a un début et a une fin. Ambongo dit à l'Église catholique, aux jeunes, aux fidèles, tout pouvoir a un début et a une fin. Là, on ne refuse pas. Bokonzi Yachi Seke, il te dit, et bandaki le 24 janvier 2019, et zapena ngonga nango ko sila. Ngonga ya ko banda ya pouvoir a Tshisekedi di bison stoyebi. Mais ngonga ko bima toyebi te. Ako bima pe lobi, ako bima pe 2030, 2060, 2050. Ou encore ako bima kara pe à la fin de cette année. Donc Ambongo dit à Tshisekedi, c'est un homme des illusions. C'est un bon trompeur. Un manipulateur. Bolanda Tshisekedi te parce qu'il a ko manipulé la jeunesse congolaise. Est-ce que la constitution empêche Tshisekedi de sécuriser le peuple congolais? Est-ce que la constitution empêche Tshisekedi yako rendre la fluidité de la route de Massina jusqu'au niveau de la Gombe avec des embouteillages que nous voyons? Ambongo a touché à la personne du chef de l'État. Basoda Basakuna. Nazolo bela makambango shiko. Notre constitution, qu'il pleuve ou qu'il neige, toro kende na dialogue te, toro kende na négociation te, tout ce que l'opposition va planifier sous le soutien de l'Église catholique ne va pas réussir parce que nous, la population, nous sommes déjà déterminés. Nazolo ba makambango shiko yabo. Bolimi sanga bolumbu ya prêtre catholique moko romona na à la place publique. Bolumbu ya prêtre catholique moko nazo bimisa. Naebi makambu bolobaki. Toyebi bisonyo so makambu bolobaki na bimisa ngo sikoyo. Na bimisa siko makambu bolobaki na nkuku pona mokonzi mboka. Na bimisa makambu boyokana ki pona rotumba mboka avant la fin de cette année. Na bimisa ngo siko. Je suis prêt à le dire et je suis prêt même d'avoir une nouvelle résidence na prison à Makala juste pour la vérité dans Rolobasiko, na Roloba yango. Mais avant cela, suivons d'abord cette vidéo. Bande konangai ba de père et de mère. Bisonyo sotoyoki na kat na vidéo moko esika Joseph Kabila loba ke mobeko li kunzi toza na yango lelo ezala kayaye. Soki eza yaye, c'est que eza Kagame, eza ba miti national oyo ba soutena ba Kagame. E komi ngonga biso peto koma ya biso mobeko likunzi. Alors esengeli to signer petition oyo toza ko exiger mobeko likunzi ya sika. To yebi ke petition mususu se kotaki na bureau assemblée nationale oyo bandeko na biso pe ba congolais basi ba congolaki 100,000 signatures. Mais bango ba sengi révision biso tozo senga changement parce que changement ya mobeko likunzi oya sika nde ekokotse biso na 4e république soki toke na révision eza na article mususu oyo ba politiciens ba kolinga ko vandela po eza na avantage na bango pona un jour eza la piège pona biso. Biso to lingi makambo nyonso to bandela. Pona nini? Po tozo mwaya kokota na 4e république esika kani tokoza lisusu na 1000 parti politique te. Ekoza la kaka 3 parti politique. Tokoza lisusu na niveau ya candidat présidentiel na 20 candidats te. Tokoza na 2 candidats. Alors, ya mwana nde etozo senga na bandeko nyonso to se limiter kaka na kosalaka ba commentaire na ba réseaux sociaux te mais to signer pétition soki to kongoli 100,000 signatures nde mukolo oyo to kosala marche na biso destination palais du peuple
toke kotika pétition na biso. Congolaises et Congolais, des pères et des mères. Nous sommes à la croisée des chemins et n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons à tout prix défendre notre dignité et notre honneur, longtemps bafoué par nos soi-disant politiciens, qui sont sous tutelle des officines étrangères qui leur imposent des méthodes à suivre, voire même des médiateurs étrangers pour résoudre nos propres problèmes. C'est par le truchement de cette classe politique manipulée qui a toujours été à la poursuite de ses propres intérêts égoïstes que les services d'intelligence étrangers sont parvenus à nous imposer la mise en place de textes qui ne sont autres que les accords entre Laurent Désiré Kabila en tant que membre de l'AFDEL et les représentants de certaines entreprises multinationales, lesquels accords sont aujourd'hui officialisés dans notre loi fondamentale. Il nous revient, en tant que souverain primaire, de relever ces défis. Gardons à l'esprit que les pressions viendront de toutes parts, de l'intérieur comme de l'extérieur. La fameuse communauté internationale se servira toujours de nos soi-disant politiciens, qu'ils soient de l'Union sacrée ou de l'opposition, et aussi de la société civile pour nous diviser sur la question. Alors, tenons bon. Le fait de vouloir le changement total de la Constitution ne suffit pas. Manifestons-le en signant la pétition que le peuple congolais déposera au bureau de l'Assemblée nationale quand elle aura atteint un nombre de 100 000 signatures. Je vous remercie. Alors, la campagne, il y a changement à la Constitution, Torotika Yangote, nous allons continuer. Parce que esa campagne oyo to s'approprier nango comme notre appartenance yakolobela le changement de la constitution parce que c'est très important. Congolais, ne parlons plus de la révision, parlons du changement parce que Kabila lobaki constitution na ngai. Alors Kabila depuis la Zambie tozotinda constitution et pas abande ko na biso bazana Lubumbashi bazwa constitution na batinde la Kabila na Zambie lokola lobi ke esa constitution na ye. Nous avons besoin d'une nouvelle constitution. Mais pour arriver à avoir une nouvelle constitution, il y a des modalités, il y a des procédures. Il faut une pétition et elle est signée par 100 000 Congolais. Et si 100 000 Congolais bah, signent pétition, Mokanda déjà, selon l'annonce de cette vidéo, Bazo qui n'est annoncé en Assemblée nationale. Bazo qui n'est déposé en Assemblée nationale. Jusque la pétition officielle. Tozaka na pétition moko ba Congolais. Ba Congolais bozaka kana pétition moko fo bo signer. Parce que article 218 à constitution et pesi nzela na Congolais nyonso yakoloba yako émettre pe une pensée pour le changement de sa constitution. Mais il y a une procédure à suivre. Il faut 100 000 signatures ba Congolais ba signer mokanda pour na epesa nzela to kenena nzela ya changement à constitution. Mais to rosala ndenge nini? Explication botu ko zo na vidéo oyo. Déjà il y a un lien. Oyezo permettre na Congolais nyonso a signer. Congolais moko azaga na droit ya ko signer mbala moko. Mais na papier duplicateur romo na 50 Congolais ou bien un Congolais a signé 250 fois. Mais na pétition autotinda électroniquement et ko permettre yo Congolais o signer kaka une seule fois. Ce qui o signer mbala moko o tindeli pe bandeko lien a signé pelu sous toi la 100 000 Congolais d'ici la fin de cette année tant que ne ko déposer pétition na biso. Déjà pétition est évoluée. Alors pour signer la pétition c'est simple, écrivez les messages au numéro on a opesa sikoyo au commis juste bonjour, envoyez-moi la pétition juste bonjour tindela ngai pétition na ba numéro mi balé na opesa. Le premier numéro pour na re signer pétition pour na re senga ba tindela pétition comment na plus 243 89 72 39 191 plus 243 89 72 39 191 ou encore au plus 14
69 23 76 453. Ba numéro yango na to affiché au commis message na numéro o to affiché ba kotine de la yo lien. Olobi congolais naza na posé lien tinde la nga lien automatiquement ba numéro o to pesi eza sur WhatsApp. Comment message senga lien et gozala très important. Merci beaucoup mon réalisateur, nous sommes à la 40e minute. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous évoluons maintenant. Ici maintenant, le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur Firmin Vonde, est victime d'une manipulation médiatique et politique. Bande Kobola Nabiso Malamu. Le monsieur que vous voyez, c'est un magistrat, c'est quelqu'un qui a beaucoup milité, qui a beaucoup travaillé pour que justice Nabiso, quel que soit des petits problèmes au Ezanango, mais que nous ayons une justice équitable dans ce pays. Le procureur général Firmin Vonde est vilipendé et victime d'une manipulation médiatique et politique. On cherche sa tête. Alors, chercher la tête, il y a un niveau, il y a un magistrat, c'est chercher la tête du chef de l'État. Ici, nous avons un dossier qui fait couler encre et salive en disant que le procureur général Firmin Vonde a sombi nako appartement na Bruxelles na Belgique d'une manière frauduleuse. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on dit le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vonde ba foutillé na dossier soi-disant il y a chéribin okende na régime en place nembongo ba foutillé à Kéko Somba appartement en Belgique. Or, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour cela, Nazaro Loba, Bazo Lukaba touché le procureur Firmin Vonde, Nasimana Yangoba touché Tshisekedi. Or, selon la procédure, il y a achat, il y a Makamounenge Salami, le procureur général Firmin Vonde était allé dans une banque de la place ici à Kinshasa, à Kéko Defamosolo, à la hauteur de 750 000 dollars. À des filles pour rembourser un espace il y a 24 mois. Et il est allé d'une manière régulière en Bruxelles, à Sombi. Ce n'est même pas une grande maison. C'est une maison de deux chambres, salon, cuisine, salle de bain. Une maison de deux chambres, salon, cuisine, salle de bain. Na niveau à Bruxelles, na niveau à Belgique, que le procureur général Firmin Vonde à Sombi. Pona asomba abimisi mosolobo embala mokote na poche na ye, il est allé kode fa na banque. Ba Congolais, nous avons des banques ici à Kinshasa de Sarbatumbong. Non, c'est la publicité na bangote. Moi, ma mère était allée kode fa mbongo na finca pour abanda commerce. Ma mère a défi mbongo na finca abandi commerce a zongi sara mouke mouke. Na yebi bande kwe bele, baninga e bele, ba defa ba mbongo na banque. Pour pas vendre d'activité commerciale, pour pas sombre loupan, pour pas que ça m'allait malembe. C'est une chose ou encore une opération et ça la maka partout. Ce n'est pas simplement à Kinshasa, surtout dans Mikili ya Bapaya na Poto, te ebi nenge ça la maka. Soki o salaka ozana musala, ba payaka yo régulièrement chaque mois, banque a la possibilité ya kopesa yo mbongo na crédit, o kende ko somba mutuka o somba ndako banda ko benda yo petit à petit. Alors ici le problème est commis. Firmin Vonde bafutakaye combien po azongi sa combien na espace ya combien d'années le montant o ya défi. Déjà banque po edefi sa mbongo, il faut basala aussi ba investigation ba ye bafutaka o combien. Est-ce que mbongo bafutaka yo et ko simba ke ozongi sa mbongo na baron espace à 10 ans et la banque avait mené des investigations ba découvrir que moi mon solo ya moke oyo le procureur Firmin Vonde azwaka tous les mois naba effort privé na ye banque ye moko a jugé bon que avec son petit salaire et ko sunga biso banque to récupérer mbongo auto déficier na espace à 24 mois. Où est maintenant le problème? Moto ake na banque a défi mbongo aza papa aza na libota bana bazali bakoko pe bakomi koya. Alors, akoki ko sepelate abongisela bango mwanda komoko na Belgique,
ce qui mouana a su diplôme d'état à okende Belgique pour akende kotanga lokola maman Denise a otinda bato na books excellence ba kende kotanga na poto bazonga ki sasa ba rosela mboka li sumu ezapi biso ba congolais to lingika to kenda ko louer banda ko libanda bana na biso balala kana ba hotel ba vivre na éducation à mabe pendant que le procureur Firmin Von de AGG bon d'avoir une petite résidence na Bruxelles il y a deux chambres salon cuisine salle de bain pour bana famille et kenda kuna vacances ba ko yoko ya kozonga li sumu ezapi. Alors il est aujourd'hui victime médiatiquement na makambo ebele za roleka. Alors c'est très important de parler de ces choses. Ici maintenant, écoutez-nous, c'est très important. Bandeko, écoutez-nous. Il y a quelqu'un qui vient d'éclairer certaines zones d'ombre et ça l'inga est bien. Ah bah congolais, faut tout le la vérité. Nazo kote na ba dossier belé pour comprendre. Le procureur Firmin Von de aujourd'hui, on cherche sa tête. Nous avons ce monsieur que vous voyez. Le monsieur que vous voyez s'appelle monsieur André Flao, ministre d'État. Député fédéral, il y a royaume à Belgique. Il vient de faire un message et réveiller la conscience congolaise. Écoutez ce qu'il a dit, sa photo est là. La fausse affaire immobilière concernant le procureur général près la cour de cassation Firmin Von de est un faux bruit qui va finir par un non-lieu judiciaire et ou une affaire judiciaire classée sans suite puisqu'elle n'existe pas. Ba congolais ba moni yango étrange que moto asomba ndako na Belgique à la hauteur ya mongo oyo le procureur général Firmin Von de a défi Belgique déjà ministre d'état na ye à Belgique un député fédéral na Belgique a expliqué l'affaire et a justifié makamu ndenge le kaki et où est le problème et aujourd'hui nous remarquons certains congolais soi-disant ba docteur ya justice Obiso tokoya ko guérir la justice congolaise. Mais ce sont les personnes automoni depuis baye na justice à Congo, justice est koufi lissous. Oui, la justice était malade. Mais depuis l'arrivée de ces hommes que nous voyons ici, baye ko bébi sa justice. Et aujourd'hui, nous regrettons de l'organisation à l'État généraux et à justice. Les États généraux et à justice et arrangé justice mais et obomande justice. Parce que nous, on croyait qu'après les états généraux et la justice, justice est rebonga. Makele le gosila, ba polémique est gosila. Or, la personne Oazala qui comme tête d'affiche, parce que c'était l'idée du chef de l'État, mais la personne qui était derrière pour l'organisation, c'est la même personne d'Azoluka, que justice n'a vu ce panzan. Bape sa raison à Kabila par après. Faisons très attention. On ne trouve pas une solution à un problème en appelant un autre problème. To comprendre que la justice n'a besoin de un problème. To luki mutumususu o asa problème. To ye to tchè na justice. Voilà si ko to komi na double problème na kata justice n'a biso. Au lieu que to sa na problème, to luka solution. Mais biso ka na place à problème, to ko luka sou problème mousou. C'est ce monsieur. O asa ro luka problème na kata justice n'a biso. Alors on nous dit le dossier à procureur général près la cour de cassation Firmin Von de sera classé sans suite. C'est un dossier de la honte. O balabi une l'ouverture d'une instruction pour basa là-bas enquêter sur l'achat. Il y en a que o Firmin Von de Sombi dans ce sont des bêtises au Congo et qu'on faire passer les tentés pour des choses un peu banales comme ça ba sekabi c'est pas papa hein. Que monta des films on a banque à Sombindako et commis des tournements depuis quand bande kona koba na koba siko. Alors le congolais écoutez ceci, on nous signale au niveau de la province de Maïndombe na territoire à Kwamuntu ba mobondo ba lamuka ki lisusu, mais Dieu merci il y a certains jeunes congolais appuyé par l'armée congolaise, 17 mobondo tués hier dimanche au niveau ya Kwamuntu. 17 mobondo. Ba mobondo baza ba pion ya Kabila. Baza ba milice touti oyo ba utaka na ba ngombe na est ba yaka malembe ba kota na ba nundus à l'époque de Kabila. Alors ba yebisi biso, il y avait du tapage, il y avait de la panique au niveau de Kwamuntu ce week-end. Et le dimanche, ba service à sécurité, ba maîtriser, ba mobondo ebele.
ba mobondo wana bazo bebisa bilanga bato ya ba mama na biso ba mobondo wana bazo kote la bato na banda kuna kinsele bazo kote la bato na banda kuna kwa muntu bande kona biso ebele pe bazu ba problème serie baza victime ya agression ba touti mobondo o kabila tikeli biso non loin ya kingakati et en allant vers kwa muntu baza ko sala mobulu makasi et baza ko ebisa biso 17 mobondo bakufi. C'est une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose pour nous. Alors, Nanti Kolobango Awa, Cardinal Ambongo, il faut mettre la main sur ce monsieur. C'est très important. Nalobi, hein? Quelqu'un Oyo Azobengisa bilenge congolais, tous les jeunes, yaba paroisse église catholique à Kinshasa Nyonso. Basangana ki dimanche au na Saint-Joseph. Na Saint-Raphaël, pardon, na Limete. Saint-Raphaël, c'est à Limete na première. Ba jeune nyonso ya Kinshasa église catholique, ambongo abengisi bango. Ambongo abengisi ba jeune kinoa. Pona kope sa bango mate ya te, mais pona rokoti sa bango esprit ya mobulu. Azoebi sa bango ba ina Tshisekedi. Tshisekedi, c'est quelqu'un de la vente des illusions. Tshisekedi, aujourd'hui, so dozana embouteillage Esaïe. Or c'est Kabila ceux qui tosa na embouteillage lelo na Kinshasa parce que Ambongo nous parle de machine à Gombe embouteillage c'est belé na boulevard Lumumba mais à l'époque au tosala ki na train ezo uta machine ezo ya tikino na niveau ya gare centrale il y avait pas d'embouteillage ninge za sikoyo mais Kabila na matata ponyo bangonde ba bakosa biso na ba locomotive ba kosa biso na ba train ba boma ligne ya masina kino gare centrale ya mo créer ba embouteillage. Est-ce que c'est Tshisekedi? Ambongo tais-toi s'il te plaît. Téa. Ou encore Ambongo n'a pas la maîtrise de la Bible. Si tu n'as pas la maîtrise de la Bible, nous invitons Ambongo d'aller suivre des formations théologiques. Il y a plusieurs institutions théologiques na Kinshasa akende kolanda koyeba ko téa. Boni okoki ko sangisa ba kinoa pour commencer à dire des choses un peu bizarres comme ça. Et Ambongo dit ceci, je vais répéter. Ambongo dit, Cardinal Ambongo aux jeunes de Kinshasa, ne vous laissez pas tomber, ne cédez pas aux fausses promesses ni aux marchands des illusions. Tu sais qu'il fait des fausses promesses? Tshisekedi c'est un marchand des illusions, ne suivez pas ce Tshisekedi. Et encore il ajoute, n'oubliez pas que tout pouvoir terrestre a un débit et a une fin. Yondo rokata bokonza Tshisekedi. Soki bokata ki bokonza ya Kabila. O ezalaki na glissement. Bokata bokonza Tshisekedi te. Tshisekedi va aller jusqu'à la fin de sa mission. Jusqu'à la fin de sa mission, Tshisekedi fera son travail. Nazaro Senga na ministre d'État, ministre de justice, voilà la matière de Pessio. Voilà la matière de Pessio, ministre d'État, ministre de justice, fongola une procédure ou bien instruire naba parquet ou encore naba juridiction compétente, moi mokanda mokoboye, balandela nanu Ambongo bakangae nanu. Ambongo n'est pas un super homme. Ambongo azana maboko mi balé lokola ngai. Soki na kena zando na sombi sulutani tokokana naye parce que saka bilamba neza okesanisa biso yala taka sulutani apembe pona okosa population mais biso dola taka bilamba ya couleur doza olata alors to senga na ministre ya justice o akomaka makasi afongola rape ba instruction makasi afongola biso une procédure judiciaire contre Cardinal Ambongo bakangaye te tokende nanu toyokaye parce que Omoni et la rabbi sur l'engie. Devant Bazouzi, papier n'a dit que Zalako. Ozo lo baba zo koma. Ambongo fo azala devant le juge. Allo baba koma. Est-ce que depuis quand Tshisekedi est vendeur des illusions? Depuis quand? Il faut à s'expliquer. C'est très important. Max KBC, c'est très important. Il faut que. Bafongola une instruction pour Cardinal Ambongo. Très rapidement, prenons maintenant la question de Kabila. Kabila, aujourd'hui, c'est la tête d'affiche
de l'opposition. Alors Kabila se dit, na en lire où vont les choses, nous risquons que constitution est à la changer. Kabila le but aussi risquer que constitution aille et quoi ya et koufa. Alors il quitte là où il était, il est maintenant non loin du Congo, à Zambie, à Komaki déjà. Avec toute son équipe, n'habite si il est déjà rejoint par Moïse Katumbi na Zambie, parce que Moïse Katumbi a des entrées au niveau de la Zambie. Il peut ou ne pas être là, là je n'ai pas encore l'information, mais Kabila est déjà au niveau de la Zambie. Bazar Olukabasa la Makambu, Bazar Olukisaba Bongisa Makambu. Mais ce que nous demandons au président de la République, c'est de rester toujours focus. C'est de regarder la population, c'est de regarder ses compétences, ses prérogatives. Alors, le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin d'un dialogue donné, n'a pas besoin de consulter l'opposition, n'a pas besoin de faire passer le temps pour rien. Nous avons besoin que Tokota déjà, Nakati, il y a alignement, il y a changement à la constitution pour l'année prochaine. Ici, maintenant, nous sommes très joyeux. Voilà, les documents sont là. Les documents sont là parce que Bazawa Ebisabiso RDC. Révision et changement constitutionnel. Le parti politique de Samalou Kondé, la BAD, la DAD, pardon, se prononce en faveur de la mise en place d'une commission technique et multidisciplinaire pour étudier le changement constitutionnel. Cette constitution permettra de réfléchir des réflexions au président de la République pour un tout prochain changement de la constitution congolaise. Ici, Bemba Azolobate, Baati Azolobate, qui encore, Kamer Azolobate, mais un coup de chapeau, Nassama Lukonde, un ancien premier ministre, Lelo Aza, président ya Sénat, il a un parti politique, comme parti politique, naye BAD, DAB, DAD, DAD, DAD. DAB, combat parti politique, n'a assez prononcé à lobby oui au changement de la constitution et il encourage le chef de l'État à mettre cette commission pour que tout avance. Et Kabila cherche d'entrer au niveau de Kashamanta, mais la route est fermée. Il est au niveau de la Zambie. Ce qui aérodrome, il y a Moulonde, il y a Pueto, oh Katumbi Bandai Kobongisa, Nde Katumbi ici a atterri ça qui avec ses milices et Nde Katanganes avec déjà envahi. Mais coup de chapeau, naba service à Demiap, naba service à sécurité, parce que c'était très bon. Alors merci, naba Congolais, nous sommes Balandi Bisso, merci de nous suivre de partout. Les informations continuent sur Tango Koki RDC. Il y a une prochaine édition Egoya et vous allez encore écouter plusieurs choses. A tout à l'heure. DG Stéphane. Bala mwange Congo ya Lumumba Congo Ta fachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwa ngoya ngoyo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala mwange Oye oh, ye, ye.